Même ses amours, elle dit que vous lui aviez dit un jour, vous êtes une personne publique, tu es une personne publique, on a besoin de savoir, le public, avec qui tu vis, comment non, ça se passe. Ça, elle le dit elle-même. Ce qu'elle dit, elle est libre de dire ce qu'elle veut, et moi, je suis là pour rectifier ce que je dis moi-même. Non, non, non. Je dis que simplement, quand on a demandé, vous savez, quand on a envie de devenir célèbre, c'est exactement, on ne peut pas être célèbre et être anonyme en même temps. Donc si on est célèbre, il y a toujours un revers de médaille, ça veut dire que si on est célèbre, tout le monde commence à s'occuper de votre vie. Il faut essayer le maximum de la préserver. Je n'ai pas dit que tout le monde doit savoir. Je c'est pas vous qui lui avez mis entre les pattes le petit Damien, là, de Roméo et Juliette. Hein. Oh, non, non, je ne m'occupe pas, vous savez, moi je m'occupe de sa carrière, je ne m'occupe pas de la vie privée. Je ne me suis jamais occupé de la vie privée de ma sœur, qui était ma sœur. Ce n'est pas là que je m'occupais de la vie d'Hélène Segarra. Non, 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 moi je m'occupe de son talent, de lui trouver des chansons, de son image de marque, de son contact avec les médias.